Bonjour et bienvenue aux ateliers de toilettage de la Cité de la Formation. Alors je suis heureux de vous accueillir pour vous faire cette visite virtuelle. Ici, nous formons donc les jeunes à deux diplômes. Le CTM, toiletteur canin en apprentissage, ainsi qu'en formation continue adulte. Ensuite, on passe à l'étape supérieure avec le BTM, toiletteur canin et félin. Allez, suivez-moi pour la visite. Alors, nous voici dans l'espace accueil, où justement, comme son nom le dit, nous allons accueillir les clients. Mais les clients, ce n'est pas que les quatre pattes. Il faut bien prendre en considération donc la demande du client à deux pattes. Nous vous apprendrons à bien écouter la demande du client pour pouvoir le satisfaire au mieux par rapport à son chien. Oui, car toutes les coupes ne peuvent pas convenir à toutes les races. Ici, sur ce plateau, ce sera vous, les acteurs. Il vous faudra donc répondre au téléphone, mais aussi prendre des rendez-vous sur notre logiciel. Ah, excusez-moi. Les ateliers de toilettage de Marmande, bonjour, Cédric à votre service. Oui ? Oui, bah écoutez, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Ah. Allez, je vous propose de me suivre au cœur du sujet. Alors, nous voici donc sur le plateau technique où nous avons mis à votre disposition 18 postes de travail, sans oublier bien sûr les grandes baignoires qui peuvent accueillir 4 chats, donc répartis sur 2 salles. Pour vous accompagner, vous aurez donc 2 formateurs, Karine Delpy, toiletteuse professionnelle, qui est multi-championne de toilettage national ainsi que international. Sans oublier qu'actuellement, elle est juge nationale de concours de toilettage. Quant à moi, j'ai 3 salons de toilettage, dont 2 en franchise en région toulousaine. Et moi, je ne suis pas multi-champion, mais par contre, ce sont mes chiens, aussi bien national que international. Et les qualités essentielles d'un bon toiletteur et les conditions physiques, mais aussi l'amour des bêtes, sans oublier le langage. Le langage, d'ailleurs, vous le verrez avec Ludovic de Tosia pendant les cours de zootechnie et comportement animalier. La Cité de la Formation nous permet chaque année de participer à des concours nationaux et internationaux, tels que les meilleurs apprentis de France, les championnats de France et aussi les ciseaux d'or. Dans ces 3 concours, les filles ont excellé soit en individuel, mais aussi par équipe, telle que championne de France par équipe en 2017 et cette année, en 2019, meilleure apprentie de France. Vous voulez plus d'informations sur la formation? N'hésitez pas à retrouver dès maintenant Stéphane Thor en visioconférence via le lien dans les commentaires.